Good morning, Ali Yiden, les Yisra, aujourd'hui, le Nishmat Avraham Chayin, Orber Ben Fortune Mazal, Yedida Bat Esther, Chaya Bat Tova, Rachamim Ben Rosa. Si vous souhaitez aussi les deux prochaines études de Mishnah connectées à 5 minutes éternelles, nous débutons aujourd'hui le dernier Perek de Brorot, Perek Tet. Marsar Behema Noeg Baaretz ou Bechutzalaret, Bifna Abayit, Vechalo Bifna Abayit, Becholin Avaloba Moudanchin, Venoeg Babakar ou Batson, Venan Mit Asrin Mize Alze. Qui parle longue mais qui va être très simple, c'est un nouveau sujet. Le sujet du Maaser Behema, on va parler que de ça dans tout le chapitre. La Torah nous dit, non, tout à la fin de du livre de Vaïkra, que présentez-vous, on va finir très bientôt, à la fin de Bechukotai, vraiment le maftir de Bechukotai, il y a là-bas un pasouk qui commence et qui dit Vechol ma'asar bakar vatson, kol asher ya'avor tachat ha'shavet, ha'asiri yiye kodesh l'ashem. La Torah ici, elle nous dévoile la mitzvah de, prélever les troupeaux. C'est-à-dire, on connaît de manière générale, dans toute la Torah, on en parle de plusieurs formes, des prélèvements, des différents prélèvements qu'on fait agricoles. Il faut prélever la Trouma, Trouma Gdola, Maaser Rishon pour le Lévi, Troumat Maaser que le Lévi donne au Kohen, Maaser Sheni, Maaser Ani selon les années, toutes sortes de taxes agricoles. Là, on a une. Et à part ça, on a appris aussi, dans Choline cette fois-ci, que lorsqu'on égorge un animal pour le consommer, pour la propre consommation, on a aussi une mitzvah de donner des parts au Kohen. Zora l'Echaim Vekeiva. Ça, c'était un autre sujet à part ça. Mais en plus de ça, la Torah ici, elle nous donne une mitzvah de donner le dixième de nos troupeaux, d'en faire un korban, qu'on pourra consommer soi-même, sans en donner à personne, si ce n'est que de donner les graisses qu'il faut donner au Mizbeach, et après on les mange. C'est-à-dire, trois fois par an, on avait l'habitude de monter à Yerushalayim à l'époque, et puis Merab et Amenou, Bezant Hashem, ça se renouvellera, et on aura le Beth Amikdash, et on aura l'occasion de tous se retrouver à Yerushalayim trois fois par an. On montait tous à Yerushalayim, et quand on montait à Yerushalayim, il faut bien manger. Alors là-bas, il fallait apporter le Maaser Sheni, c'était l'occasion de le manger, pour les taxes agricoles, et c'était pour la propre consommation. Et puis, en plus de ça, on apportait le dixième de nos troupeaux, et on en faisait le korban maaser. C'est le plus facile des korbanes. On est le plus souple, on n'a aucune part à donner à personne. On va au Beth Amikdash, on l'égorge, on récupère le sang, on l'asperge, on récupère les graisses, qui sont de toute façon les graisses interdites, on les monte au misber, et on le consomme personnellement, tout seul, entièrement, si on veut. Il n'y a pas aucun, rien à donner au Kohen, à la différence du Shlamim, où il faut donner une part, et on le consomme, on a deux jours pour le consommer. D'accord ? Voilà pour le Maaser Behema. Maintenant, comment la Torah, je traduis maintenant le pasouk, parce que ça va nous aider. Kol Maaser Bakar Vatson. Et tout dixième de tes bovins et tes ovins, Bakar, les gros bétails, les bovins, Vatson, les ovins. Précision importante qu'on va voir dans la Mishnah, ovins, ça implique deux espèces, les moutons et les chèvres, c'est deux familles. Chez les bovins, il n'y en a qu'une seule, c'est les taureaux, les vaches. En tout cas, le Mishnah nous dit tout le dixième de tes bovins et ovins, kol asher ya'avor tachat ha'shavet, tout ce que tu feras passer sous ton bâton de berger, c'est-à-dire parce que pour les prélever, tu te mets à la porte de ton champ, de ton enclos, et tu mets ton bâton comme ça et tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on la récupère. Eh bien, ha'asiri yé kodesh. Le dixième sera sanctifié, yé kodesh l'Hachem, il sera sanctifié en l'honneur d'Hachem. Ce qui va nous intéresser pour notre Mishnah déjà, on va en parler un peu longuement dans la Mishnah, ça va être justement Bakar Vatson. Le fait que la Torah elle inclut deux sortes de maaser, les bovins et les ovins. Or, en théorie, on devrait avoir trois sortes. Bovins, chèvres et moutons. Et là, on remarque que la Torah elle inclut dans un seul mot tous les ovins, le menu bétail ensemble. Et d'où va être le chidouche de la Mishnah, de nous apprendre que on ne pourra pas prélever des vaches et des moutons ensemble, parce que ça, c'est gros bétail, menu bétail. Mais le menu bétail ensemble, si j'ai eu des nouvelles, des nouveaux-nés pour cette année, eh bien, je pourrais prélever des nouveaux-nés, des chèvres et des moutons, je les mets tous ensemble et je les compte et je prélève le dixième.
D'accord? Ça va être le grand sujet essentiel de notre Mishnah. La moitié de la Mishnah va être consacrée. Pour le moment, notre Mishnah va commencer avec une introduction très générale en nous disant Maaser Behema, la mitzvah de prélever le Maaser des animaux. Vous savez quoi? Non, bon, je précise encore quelque chose de très important. Ça va nous aider pour aller ensuite plus vite. C'est que, à notre époque, on a l'obligation en théorie, c'est-à-dire si on se mettait à prélever notre troupeau, eh bien le dixième, il deviendra kadosh. Mais il y a quelque chose de très particulier dans le Maaser Behema, c'est que si je n'ai pas prélevé, eh ben, je peux manger tout mon troupeau si je veux. C'est-à-dire, pour les maasers agricoles, lorsque j'apporte ma production annuelle, je la fais entrer, j'ai même cueilli, je suis parti cueillir dans mon jardin, je suis parti cueillir des fruits, je les fais entrer à la maison, eh ben, maintenant je m'impose de prélever les tourments de maasrot. Je n'ai pas le droit de manger un de ces fruits si je n'ai pas prélevé le tourment de maasrot, il y a un interdit de tevel. Eh bien, pour les moutons, pour le maaser BMA, le dixième des animaux à prélever, eh bien, il n'y a pas de tevel. C'est-à-dire que si je n'ai pas prélevé, je peux quand même manger mes animaux. Et si j'ai tout fini, bah tant pis. Tu avais une mitzvah à faire, tu ne l'as pas fait, tant pis pour toi. Il n'y a pas d'interdit à consommer le troupeau. Aucun animal du troupeau, même 10 même. Si toutefois, même si, il n'y a pas d'interdit de consommer. Tu as une mitzvah de prélever le dixième et d'en faire un corban. Tu ne l'as pas fait, tant pis. D'où l'avantage, ça me partenera, il nous rallonge tout ça dans le deuxième partenariat de Mishnah, où il explique que donc à notre époque, on ne rentre pas dans ce problème, puisqu'on n'a pas de Beth Amikdash malheureusement pour apporter le dixième, eh bien on ne prélève pas du tout et on consomme tous les troupeaux, tous les animaux sans se soucier de prélever, à la différence des taxes agricoles qu'on prélève bien évidemment à notre époque. D'accord ? Maintenant on commence notre Mishnah et on traduit directement Maaser Behema, le Maaser, le dixième des animaux, Noheg Baaretz ou Bechutz Laaretz. Il est d'usage en Israël et aussi en Chutz Laaretz et en dehors d'Israël. C'est-à-dire que si en France, quelqu'un a un troupeau dans les Alpes, ouais, eh bien qui prélève, il aura un animal qui sera kadosh. Bifne Abayit Vesholo Bifne Abayit. C'est une mitzvah qui est en vigueur à l'époque où il y a le Bet Hamikdash. Vesholo Bifne Abayit, et même lorsqu'il n'y a plus le Bet Hamikdash. Bon, si on le fait, eh bien on aura prélevé l'animal, le dixième sera devenu Kadosh, et c'est une grande galère à consommer. Parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash pour le porter, qu'est-ce qu'il faudra en faire? Il y aura le même principe que le Bechor, tu le laisses grandir sans le tondre, sans rien faire. T'attends qu'il ait un défaut. Alors, s'il y a un défaut, t'as le droit de l'égorger, de le consommer avec quelques mises en garde. D'accord? Bacholin, l'Obamogdashin, il est en vigueur avec les animaux profanes, mais pas avec les animaux qui sont Kadosh, qui sont sanctifiés. C'est-à-dire, si toutefois tu avais chez toi des Shlamim, ouais, Shlamim, on peut avoir mâle et femelle, et donc tu as un troupeau, t'as 10 animaux, peu importe, t'as quelques moutons qui sont prévus pour être des Shlamim. Et le temps que tu les amènes au Beth Amikdash, ils ont mis bas 10 enfants. Eh bien, il n'y aura pas de mitzvah de prélever le dixième, d'accord? Le dixième de ces animaux, il n'y aura pas de mitzvah de le prélever. Ni en statut spécial, ni en l'occasion de sortir de la chaîne, de découvrir. Plus tard, dans Erchin, dans Meila surtout, qu'est-ce qu'on fera avec les Vlad Kochim? Il sera saint, il faudra faire un korban, mais en tout cas, il n'y aura pas de misa de prélever le dixième. Venoheg babakar au batson, et il est en vigueur avec le bakar, avec le gros bétail, les bovins, au batson avec le menu bétail. Venan mitasrin mise alze, et tu ne peux pas les prélever d'un sur l'autre, les aser, tu ne peux pas prélever le dixième d'un sur l'autre, c'est-à-dire. Tu vas rentrer dans l'enclos 8 moutons et 2 vaches, et tu fais sortir les vaches, et le dixième mouton, tu vas prélever un mouton pour acquitter des vaches, peu importe, les mélanger. Non, c'est deux espèces, donc deux, autant que tu ne prélèves pas des concombres sur les tomates, eh bien tu ne prélèves pas des vaches sur les moutons. Donc maintenant, métasrin mizalze, bakvasim ou maizim ou métasrin mizalze. Il est aussi en vigueur avec les moutons et les chèvres. Mitasrin, mes alzémes, cette fois-ci, ils sont prélevés d'un sur l'autre. C'est-à-dire ces deux espèces se mélangent. Et il y a un truc nouveau maintenant qu'on n'en a pas parlé pour le moment, c'est Bachadash ou Bayashan, avec la nouvelle production de l'année, ou avec la plus ancienne. Et on ne peut pas les prélever d'une année sur l'autre. J'explique. Dommage, je n'ai pas introduit ça avant, mais ce n'est pas grave. Il y a une date butoir de Rosh Chodesh Elul. Et là, dans la Mishnah, ceux qui ont étudié Rosh Hashanah, Masechet Rosh Hashanah, on parle là-bas de 4 Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, là, il a note. Et Rosh Hashanah aussi, les Maaser Behema. Le premier Elul est la date à partir de laquelle on fixe.
Ce qui est né jusqu'à maintenant, ça appartient à l'année passée, et ce qui va naître à partir du 1er Elul, ça appartient à la nouvelle année. Chaque année, Aser, te Aser, et kol tvuat zavacha, shana et shana, quelque chose comme ça, on passe dans Dvarim, on l'ouvrira peut-être, on verra le Fiamatzav. On ouvre tout de suite, on va faire le feuillant. Il y a marqué dans le pasuk là-bas, Aser, te Aser, et kol tvuat zavacha, hayotse, asade, shana, shana. Tu prélèveras le dixième, toutes les récoltes, toutes tes productions agricoles, qui te sortent de ton champ, shana, shana, année sur année. Et la Torah l'a inclus, Aser, te Aser. On est dans le même, dans Parashat Re, Yudalet, pasuk, Trafbet. Aser, te Aser. Prélève le dixième, mais avec une insistance. Comme si on parle de deux maasrot, effectivement, on parle de deux sortes de maasrot, du maaser agricole comme du maaser behema, pour te dire chaque shana, shana. Tu ne prélèves pas d'une année sur l'autre. D'accord ? Donc si tu as eu ton blé de l'année dernière, et ton blé de la nouvelle année, tu peux, et que tu n'as rien prélevé pour le moment, tu ne peux pas prélever d'une année sur l'autre, même en production agricole. Et idem aussi pour le maaser behema. Si tu as eu 8 moutons qui sont nés en av, et 3 semaines après, 2 moutons supplémentaires qui te naissent en Elul, donc tu en as 10. Super, compte 10, et tu donnes le 10e pour le maaser. Non, parce que tu ne peux pas prélever de l'année d'une année sur l'autre. D'accord ? Donc c'est ce qui est écrit, Bechad HaShemeshan sans vigueur avec la nouvelle production et l'ancien, mais Enan Mitasrin Mizalzem, mais ça, tu ne peux pas le prélever d'un sur l'autre. Shaya Bedin, maintenant, regardez quelque chose de très particulier qui se passe. Je vous explique rapidement ce qui va se passer dans le sud de la Mishnah, comme ça on lit tout d'entrée. La Gemara, elle va raisonner par l'absurde, en fait, qu'on aurait pu faire un Kal Vachomer. Les deux halakhot spéciales. Je t'ai dit que tu n'as pas le droit de prélever les moutons sur les chèvres. Tu peux prélever des moutons sur les chèvres, mais tu ne peux pas prélever de l'année passée sur l'année présente. Ces deux halakhot qui sont un peu contraires à ta logique. C'est-à-dire, c'était beaucoup plus facile de te permettre de prélever d'une année, de l'année passée sur la nouvelle année, et de t'interdire de prélever des moutons sur les chèvres. Et malgré tout, la Torah, elle a précisé, elle t'a rajouté des psukim pour t'apprendre le contraire. Voilà le but de la Mishnah. Pourquoi c'était plus logique de permettre de prélever d'une année sur l'autre? C'est-à-dire, si je comparais deux halakhot, ouais, attraper quelqu'un dans la rue, qui est un bon juif, qui a étudié un petit peu Torah, mais qui n'a pas étudié ce sujet, dites-lui, viens, je te propose deux halakhot particulières, une qui est permise et une qui est interdite. C'est quoi? Qu'est-ce que ta logique? Entre un animal, qu'est-ce que ta logique, elle va dire? Si tu as un animal qui est né en Av, et des animaux qui sont nés en Av, et des animaux qui sont nés en Elul, et des chèvres et des moutons, je veux prélever d'un... Qui s'associe pour prélever? Qui forme une seule famille pour prélever, et qui forme deux familles distinctes? Logiquement, on va dire, la même espèce, c'est plus proche de pouvoir prélever un sur l'autre, non? Même si ça appartient à deux années, par rapport à deux espèces qui sont différentes. Eh bien, justement, il a raison dans sa logique. Il a une logique de Torah. Et il faut qu'il sache que la Torah, malgré tout, elle a prescrit le contraire. Pourquoi? Quelle est la logique, malgré tout, quand on fait un Kal Vachomer? On fait un Kal Vachomer en cherchant une halakha particulière, où je te prouve que, regarde, ces deux choses-là, elles sont plus censées être plus proches que ces deux choses-là, qui sont censées plus éloignées. Quel est le paramètre qui va me permettre de définir que d'une année sur l'autre, c'est beaucoup plus proche que les moutons et les chèvres? Il chod kilaim. On n'a pas le droit de croiser des espèces ensemble. Et l'interdit de kilaim implique aussi que je n'ai pas le droit de croiser un mouton avec une chèvre. Donc regarde, c'est deux espèces distinctes. Alors qu'une espèce, un animal qui est né il y a 2 ans et un animal qui est né maintenant, cette année, tu as le droit de les accoupler ensemble, il n'y a aucun problème de kilaim là-dedans. Donc tu vois, regarde, ils sont plus proches. Là, la même espèce d'une année sur l'autre, c'est plus proche. Et les moutons et les chèvres, c'est beaucoup plus éloigné. Donc logiquement, je te le dis, par rapport au maaser, je te dis, dans ce cas-là, le maaser, tu peux prélever d'une année sur l'autre. Eh ben non, la Michelle va m'apprendre que non. D'accord, regarde, on fait ça dans les mots. Shaya Bedin, car j'aurais pu en déduire par déduction, par a fortiori, Kal Vachomer. Ma imrachadash vayashan shenan kelaim zebazé. Regarde que la nouvelle production et la production de l'année passée, enam kelaim zebazé. Il n'y a pas d'interdit de croisement entre eux. Et malgré tout, en mit asrin mise alze, tu ne peux pas les prélever d'un sur l'autre. Ouais. Alors, hakvasim vaizim, shem kilaim zebazé. Alors, les moutons et les chèvres, que eux, il y a un interdit de les croiser ensemble. N'est-ce pas plus forte raison, en obedin, shelloit asrum mise alze? N'est-ce pas plus forte raison que je devrais t'interdire de les prélever d'un sur l'autre, de ne pas les mélanger ensemble pour les prélever, parce que c'est vraiment deux espèces distinctes? C'est pour ça que, t'as entendu la marque, c'est pour ça que le pasouk avait besoin d'insister en me disant, comme le pasouk qu'on a apporté de Vaïkra, là-bas il y a marqué, Bakar Vatson, Aser Te Aser,
Bekarcha, Vetzonecha, Vetzon, je ne sais plus comment c'était dit, j'ai déjà oublié le pasouk de Bechukotai qui me dit Vechol Maasar Bakar Vetzon. Le pasouk, il a besoin. Pourquoi la Torah le dit Vechol Maasar Behema? Pourquoi tu as eu besoin de me dire Bakar Vetzon? Ou dans ce cas-là, pourquoi tu me dis Shor Kesev Orez? Comme la Torah elle me l'a dit dans la paracha qu'on a lu aujourd'hui, en Israël, en tout cas, est mort. Alors, pourquoi tu as besoin de dire Bakar Vatson? Pour t'insister, pour te dire que quoi, tel Mulamar, Vatson, je t'inclus avec le mot Vatson, le menu bétail, mais tout ensemble, pour t'inclure, Mashma Kolson Echad, pour te déduire que tout le menu bétail forme une seule famille, que donc tu pourras prélever l'un sur l'autre. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la Sarah Koltou, c'est là.